Je vous évoquerai parmi les concepts la vie à l'extérieur, et ça commence bien sûr par un très vaste cockpit sur ce bateau, avec plusieurs zones que nous allons regarder en détail. Je commence par la terrasse, une terrasse qui est brevetée par Jeanneau, qui est très innovante et qui donne un accès idéal à la mer. On voit qu'elle descend avec des vérins électriques. Donc une fois déployée, cette plateforme donne un accès absolument parfait à la mer. Nous avons une échelle qui vient se déplier de manière très simple, une échelle très profonde et très large, avec des mains courantes pour remonter en toute facilité. Cette plateforme accueille également deux bains de soleil, deux grands bains de soleil en longueur, qui permettent de se reposer et de prendre le soleil parfaitement en tout confort et avec une vue idéale. Donc deuxième point important du cockpit, bien sûr, c'est le poste de manœuvre, le poste de barre. Donc on voit qu'ils sont ici dans la partie arrière, qui sont vraiment dégagés de la partie avant et relaxation du cockpit. On a ici l'ensemble des éléments qui permettent de manœuvrer le bateau. Nous avons bien sûr l'électronique de navigation, le compas, les différentes options propulseur d'étrave, compteur de chaîne, l'écran multifonction qui permet d'avoir l'ensemble des éléments de navigation et bien sûr la cartographie GPS. Et puis nous avons latéralement la commande moteur qui est placée idéalement, donc très haute, de manière à pouvoir manœuvrer et commander le moteur sans avoir à se baisser ou à changer le regard. Et enfin, nous avons l'accès au winch primaire ici, qui reçoit les écoutes de grand voile et de génois, et qui permet donc de gérer l'ensemble des manœuvres du bateau très facilement. Donc nous avons vraiment ici un poste de barre qui permet de gérer le bateau sans du tout déranger les personnes qui sont en train de se relaxer dans le cockpit. Bien sûr, ce poste de barre a son symétrique à bâbord, et on trouve donc de chaque côté, derrière la console, une assise relevable qui permet un très bon accès à la terrasse et puis qui recouvre deux profonds rangements qui sont idéaux pour ranger les amarres, les pare-battages, l'ensemble des équipements de navigation. Donc deux très grands volumes à l'arrière, très accessibles, très ergonomiques, qui reviennent de plein pied une fois fermés. Donc derrière les postes de barre, très facilement accessibles et très discrets, nous avons une paire de bossoirs télescopiques qui sont parfaits pour recevoir une annexe. Donc qui permettent de gérer l'annexe et qui disparaissent en toute discrétion en absence d'annexe. Alors le centre du cockpit reçoit la partie plus conviviale. Il est organisé autour de cette très grande table, table qu'on peut qualifier de multifonction puisque à l'arrière, elle reçoit le radeau de survie, donc c'est vraiment très pratique et idéal pour être mis à l'eau facilement, très accessible. Ensuite, cette table reçoit un plateau avec ses fargues pour transporter les aliments, des rangements pour les gobelets et les bouteilles, des lumières d'ambiance, et puis tout à l'avant, une glacière réfrigérée. Donc cette table, avec deux très grands abattants, permet de recevoir très facilement jusqu'à 6 ou 8 personnes pour dîner ou prendre l'apéro. Et puis la zone avant du cockpit, très importante sur le Jeanneau 51, c'est deux méridiennes, une de chaque côté, qui permettent de se positionner très confortablement avec une vue sur mer, d'être abrité par la capote en mer ou d'être au soleil quand on veut bronzer. On bénéficie ici du calage par la descente, donc on peut naviguer à la gîte sur un bord comme sur l'autre sans avoir à se déplacer. Donc on a le porte-gobelet ici, élément très important. Donc on peut vraiment être ici, vue sur mer, dans une position idéale pour se relaxer. Si nous avons pu faire ces super méridiennes qui encadrent la descente, c'est parce que l'ensemble des manœuvres qui sont traditionnellement sur le roof de chaque côté de la descente ont été sur le Jeanneau 51 positionnées de chaque côté sur les îloirs. Donc on voit aussi ici une position des winches de drisse, avec l'ensemble des cordages, des manœuvres bosses de riz et drisse, et le rangement associé. Donc cette position excentrée permet d'être à la fois très manœuvrant, très facile d'accès, mais aussi d'être parfaitement isolé de la zone de vie du cockpit. C'est-à-dire que les cordages ne viennent pas encombrer la zone de relaxation. En termes d'architecture et gréement, le Jeanneau Yacht 51 est vraiment conçu pour l'utilisation dans le monde entier. Nous avons voulu pouvoir personnaliser le bateau en fonction de l'utilisation de nos clients. Donc nous avons en standard sur ce bateau une grand voile en rouleur et un génois à 110% de recouvrement.
donc un gréement très bien dimensionné et très facile à manœuvrer. Mais nous avons également un certain nombre d'options qui permettent de vraiment personnaliser en fonction du besoin du client. Nous pouvons proposer un foc auto-vireur, un code zéro, nous pouvons proposer bien sûr une grand voile entièrement lattée avec son lazy bag. Et puis nous avons la possibilité de mettre un étai largable et donc de gréer une trinquette. Donc un grand nombre de configurations qui permettent à notre client d'optimiser son bateau en fonction de son utilisation. Et enfin, je vous avais évoqué qu'on voulait dans les jeunes yachts des ponts à vivre. Le jeune yacht 51 ne fait vraiment pas exception. On voit que jusqu'à la plage avant, nous avons un grand matelas bain de soleil qui devance une zone de rangement, une zone de stockage très pratique avec cette très grande soute à voile. Et puis, tout à l'étrave, la partie manœuvre du mouillage avec une profonde baille à mouillage accessible depuis le pont. Donc ça permet de bien vérifier ce qui se passe avec la chaîne lorsque l'on remonte le mouillage. Un gâteau très puissant, on est sur un gâteau de 1500 watts, donc le plus grand de sa catégorie. Un double davier qui permet de mettre une seconde ancre en cas de besoin. Et puis, on peut avoir deux taquets classiques en standard ou comme ici, des taquets repliables optionnels. Donc vraiment des équipements de yacht sur ce bateau de 51 pieds.